En vrai, faut que je teste. T'as vu sa carte en milieu centre, elle est dingue. D'ailleurs, on lui met quoi comme style à lui? On lui met ombre? Bah, je pense, hein. Cour et défend encore plus? Bah ouais, je pense. Et derrière, on a Bisley. Bisley, on va lui augmenter juste sa défense et son physique. Tout ce qu'on va vouloir ici. Et il sera meilleur que Rizé en défense. Et puis, bah, il sera plus rapide. Et sur les côtés, il fera plus de différence, j'imagine. Oh les gars, j'ai une équipe. J'ai l'impression que ça peut être vraiment cool, quoi. D'ailleurs, j'ai jamais mis de style à Cancelo aussi. Hop, tiens, prends ton style. Ah, oh, j'ai envie de tester, les gars. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On va faire un petit peu de Rivals parce que j'ai pas joué Rivals. C'est comme ça, si je peux récupérer des petits packs pour la totie, c'est bien. Ah merde, faut pas que je gagne limite. Bon, si on perd, c'est pas grave parce qu'on monte pas comme ça, tu vois. En fait, Bisley est vraiment le joueur parfait pour placer un joueur où tu veux parce qu'il peut jouer défenseur gauche, donc tu le fous défenseur gauche et ça permet à John Arne Riise de pouvoir aller sur son en milieu centre. En plus, c'est un gaucher, donc j'ai mis milieu centre gauche et les frappes tirent de loin. J'aime bien, tu sais que j'aime bien ce style de jeu, donc ça peut être pas mal. Oula, oh. Qui joue à Land ici encore? Pourquoi ils ont filé ça à tout le monde? C'est scandale. Premier match que je lance depuis la naissance de mon fils, je suis content de voir qu'au moins. Ça n'a pas changé, hein. La naissance de mon petit n'a pas changé le monde. On relance un deuxième match parce que je veux tester mon équipe. C'est toujours ça, hein. Quand tu packs des nouveaux joueurs, t'as envie de les tester. Et c'est souvent à ce moment-là où ça se passe mal, hein. Mais on verra. Ederson, ok. Kompany, Vidic, Cafu, Bacha, Vieira, Modric, Cruyff, le monde, tout ce qui est foutu. Ok, frère. Pas de problème. C'est parti, hein. Donc du coup, on met offensif, ça veut dire que Riise ici... non, pas ici, là, c'est Maguire. Riise va du coup monter en milieu centre. Pour mettre des frappasses du gauche. Alors je vais spammer, hein. Je vous le dis clairement. Soyez pas trop choqués. Ça va spammer des frappasses, hein, je vous le dis. Ah bah ça commence bien. Hop là, excuse-moi, j'ai par là. Attention, on est là. Attention, on va te frappasser la tronche. Ah. Dommage, Kiki. Et voilà, on égalise, ça va, merci beaucoup. Non, je voulais juste égaliser, histoire de, tu vois, pas faire genre c'était compliqué, parce que ça aurait fait mal au cœur quand même de... Voilà, de perdre le match comme ça, quoi. On égalise et là, on peut retenter des petites choses, quoi. Hop là, Bisley, quelle défense. En vrai, c'est Cafu en face, hein, aussi. Hein. Oh là là, John Arne Riise. Oh, la passe, elle est incroyable. Mais non, mais prends ton pied gauche. Après, on a la chance d'être tombé contre une pive, donc c'est toujours plus simple de s'amuser contre un mec nul, surtout en défense, comme tu peux le constater. Maintenant, je peux faire des long shots avec Riise, s'il vous plaît. Non, par contre, l'équipe peut bien tourner, hein. Là, c'est vrai que bon, je suis un peu n'importe quoi parce que je tente des trucs voilà, qu'il faut pas tenter, hein. Tu vois, tu t'armes pas des frappes comme ça à 35 mètres pour le fun. Mais bon, moi, ça correspond un peu à mon style de jeu où j'ai envie de rigoler et de m'amuser. Donc voilà. Hop là, allez hop. 3-1, merci. Non, parce que bon, fallait remettre les choses au clair, d'accord? Je me raconte un peu, hein, j'avoue. Bon, bah malheureusement, on monte. Ah, ils sont 3-1, merde, ils jouent à 2. Oh, la flemme. On va peut-être pas faire très long contre eux. En plus, apparemment, il y a une connexion compliquée. On va peut-être pas faire très long sur ce match, les gars. Ça va peut-être aller vite. Parce que, bah clairement, contre deux joueurs, c'est pas forcément super simple. Il suffit qu'ils s'entendent un peu ou que les deux fassent de l'autodef. Alors là, t'as fini, hein. Et offensivement, bon bah c'est une arme de folie par rapport aux appels de balles, etc. Hein, bien évidemment. Ouais, elle était sympa, mais. Bah c'est bien réalisé cette passe.
Allez, Mohamed, bien joué. Bon, pour l'instant, je peux pas tellement faire de long shot ou quoi que ce soit parce que j'arrive pas à le trouver. Mais ça va arriver. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse rentrer mon Gomez pour tenter des centre-têtes aussi. Parce que j'ai quand même des latéraux qui peuvent faire la différence en vitesse. J'ai peut-être envie de tenter aussi mes petits centre-têtes. Hein. Ouais, dommage. Oh, la chance. Ah, moins de chance. Ah. Ouais, bon, bah. Ouais. Bah ouais, bah dégage en fait, il est fou. Ah, d'accord. Bah merci, hein. C'est vraiment gentil d'avoir décalé le gardien parce que je vois pas comment j'aurais pu marquer sur mon pied gauche. Merci beaucoup, ça c'est de l'entraide, j'apprécie énormément. Bon, on va tester le Gomez de la tête, pour rigoler un peu, et voir ce que ça donne. Mais ouais, j'avoue que ouais, les matchs comme ça, où tu dois jouer contre deux mecs, la flemme un peu quoi. Voilà, ça c'est exactement... Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais de où ? Oh, le John Arne. Oh, il fait plaisir, celui-là, parce que c'est lui qu'on teste à la base, hein. Bien, Harry. Superbe. C'est pour la patrie. Pardon. Alors, du coup, est-ce qu'on a quelqu'un, Cordoba, parfait ? Ouais, ça passe. Mais ouais, ouais, compliqué, quoi. Du grand Maguire. Bah, Maguire, ce héros, hein, vraiment, là, t'as kiffé, il nous a sauvés, hein. Il a sauvé la patrie, hein, je vous le dis. Vas-y, je vais aller voir le temps fort, là. But annulé, ils me l'ont mis ou pas ? Ah, je suis dégoûté. Non. Ils m'ont pas mis. Par contre, regardez le but bugué là. Bon, après, l'action elle est sympa, tu vois. Et regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est normalement la préparation de la frappe. Là, voilà. Tu vois ? Contre l'extérieur. Non. Le fantôme pour marquer. Ça, c'est dur à faire. Hein. Et puis, alors, bon, on laisse bien passer la balle aussi parce que bah, là, je devais marquer. Ah merde, non, baisse la main. C'est dur. Hein. C'est dur. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Le deuxième. Oui. Là, tu vois, il peut marquer là. On dit rien. En vrai. Après, là, bon. Sur le retour. Oh là là. Donc là, c'est une passe. Hein, pour dégager. Ça tape la tête de Virgile. Ça tape la cuisse. Ça revient. Ça frappe à un angle impossible, bien évidemment. Ça le repousse dans ses bras pour qu'ensuite elle puisse... le football avec un grand F. Du coup, on arrête ici pour les petits matchs. Moment, on l'a testé. Franchement, j'aime bien l'équipe. Je pense que je vais laisser comme ça en vrai pour l'instant. Et je trouve les cartes magnifiques. Hein. Les cartes sont magnifiques quand même. Donc je vais garder comme ça. À tout de suite les petits potes.